Nouvelle VOD sur Diablo, toujours l'intro du jeu, je suis toujours dans les débuts. J'ai dû couper la VOD précédente parce que j'ai eu encore un crash OBS, ça m'arrive souvent en ce moment malheureusement. Mais nous reprenons, j'ai rien fait entre temps, on a une quête principale ici, on va interagir avec la mère supérieure Prava. Ça je crois que je l'avais fait dans... Mais la lumière du père. Bonjour. Être trouvée par la pénitence et la foi. Ça je l'avais fait je crois dans la bêta. Dans la lumière. Obscur. Ouais, obscur un peu, ouais. Oh ça me saoule un peu là d'avoir ces bugs. La conscience ne doit jamais faiblir face au péché mon frère. Oui, mère supérieure. Que la lumière d'Inarius embrase le mal. Que la tentation ne vous éloigne pas de son éclat sacré. Que la vertu consume la corruption et le péché. Que les ténèbres soient bannies. Je trouve que notre perso il est vachement proche en mode bon, en vrai, il faut que je vous parle. Seule la lumière peut demeurer. Vous voyez que je suis là quand même ou pas ? Personne venant de Nevesque ? Oui, mère supérieure. Lorat n'est pas venu avec vous ? Putain, il s'appelle Joseph. Vous avez tort. Voix connue, ça, oui. Beaucoup de voix connues. Hein. Qu'a-t-il donc de plus important à faire ? Oh ! Lilith. Il a peut-être eu un crash OBS aussi. Vous savez. C'est pas facile. Un de nos chevaliers nous a rapporté qu'une démone avait été vue dans la vallée cinglante. La description ne correspond que trop bien à la créature de Nevesque. Si vous pouviez aller à Yelessa... La créature ? ...sur la situation là-bas, la cathédrale de la lumière vous en serait reconnaissante. Je comptais envoyer Lorat là-bas, mais... Il a failli à son devoir une fois de plus. Avec ou sans Lorat, la volonté d'Inarius doit être accomplie. Oh mais surtout il est occupé le Wrath. Oh mes cheveux ils font n'importe quoi. Mais j'ai une barbe. I've got some bubar. Chevalier avant d'y aller. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes cheveux? Ils étaient tout à travers mon corps comme ça. T'imagines tu te réveilles et tes cheveux sont en fait ta barbe. Tes moments. Ok. Mère supérieure, on nous rapporte la présence d'une possible démone. Une femme cornue... Ça aussi, c'est une voix connue, hein. ...proximité des mines de Yelesna. J'ai procédé à une vérification de routine qui n'a encore donné aucun résultat. Un prêtre et une escorte de chevaliers ont été dépêchés sur place. Nous vous informerons dès que nous aurons du nouveau. Et notamment, je pense, en témoignage, ça doit te faire tiquer, parce que c'est le doubleur de Leon dans RE4. Et RE3 ou 2, je sais plus. Et l'inverse quand on a plus de cheveux. Ah ouais, c'est ça. Imagine, tu te réveilles. Et à la place d'avoir une barbe, t'as des cheveux. Mais tes cheveux, c'est de la barbe. Coucou la VOD de You Trouble. You Trouble. Coucou la VOD de You Trouble. Bon, faut pas aller à Yelesna là. Leon. Moi, il va falloir que je vois comment je peux recycler. Parce que j'ai déjà l'inventaire full. Ah mais c'est loin, attendez. Ah mais oui, c'est loin, mais c'est pas tout de suite alors. C'est pas tout de suite. On va pas faire ça tout de suite. Comment je recycle? Parce que j'ai plein de trucs pourris. Mais du coup, moi j'ai mis tuto moins. Mais je voulais pas avoir zéro tuto. J'en voulais un juste pas trop... Enfin, c'est bizarre. Tuto moins, c'est pas tuto pas du tout normalement. Si? Ah mais ça c'est pour réparer. Je ne peux pas recycler ça. Ah, c'est du recyclage, pas du réparage. Ça se démontait là, c'est bien. Ça explose un peu, hein. Ça recycle avec panache, hein. Ok. Oh, c'est joli ce boot. Ah, c'est peut-être mieux. Ah oui, toute la camelote. Ordinaire. Voilà, ça recycle tous les ordinaires. Ok, et du coup, ça c'est à moi, c'est ça? J'imagine. Là, je peux réparer. Ok. Et là, je peux pas encore. Bon. Jusque-là, tout va bien. Les soins. Bah on va devoir aller chez Yelesna, hein.
Je vais être affichée dans une VOD. Une VOD qui aura peut-être 10 vues, quoi. Attention! Et tu pourras même te répondre à ton propre commentaire dans les commentaires. Ah, c'est fou. On est à un level de fou. Ah, c'est ici! C'est ici mon vestiaire. Ah, du coup, je peux choisir le look. Oh, pour le moment, on s'en fiche un peu. Ah, par contre, on peut choisir la couleur. Ça, c'est cool. Ah non, 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 je voulais le truc. C'était ça, de base? J'imagine. Ah, il est en bleu. Oui, ça coûte rien, si. C'est bien en bleu. Bonjour mémé. T'es fou. Allez, on va prendre une petite quête secondaire alors. Eh bien oui, Bozan n'est pas encore revenu. Nous l'avions chargé de porter nos demandes de dîme à Ménestad. Et si vous ratissiez les chemins pour voir ce qu'il a retardé, ouais. La cathédrale attend son dû. Bah tu peux dire ça de manière gentille aussi, moi je rends service, je suis responsable de rien. Hein. Ça va, ouais. Putain. Justement, la cathédrale, elle a un petit peu trop l'habitude qu'on lui doive des trucs, j'ai l'impression. Parce que moi, je lui dois R. Je suis sympa. Voilà. T'as reçu les photos sur le Facebook, bisous mamie. Et mets ça sur Twitter, tu sais. Ah oui, oui, oui. J'ai peur, j'ai eu un lag, j'ai eu peur. Tout à l'heure, quand j'ai eu un lag, ça a fait crash OBS. Hein. La TV, non, mais quel... mais quel fou! La recrue de la milice s'entraîne nuit et jour. Elle mérite bien quelques éloges, mais je ne voudrais pas passer pour une sentimentale. Vous pourriez aller les encourager. De l'argent facile pour vous, un surplus de confiance pour les recrues, et moi je reste la dure à cuire. Tout le monde y gagne. Moi je suis qui dans cette histoire? Bon, je veux bien, mais je vois pas le lien entre moi et tes soldats. Ok, je vais dire, allez-y. Ah, c'est pour faire les émotes. Ça peut pas être sur clic molette, là, ça? Bon. Bonjour. Salutations. Ça encourage pas beaucoup, ça. Ah. Acclamé. Bien joué. Ils en ont rien à foutre, hein. Franchement, ils m'ont ignoré total, hein. J'ai rien fait. Merci. Bon, faudrait pas non plus qu'ils s'y habituent. Toi, t'es le pigeon qui fait tout pour pas cher. J'ai l'habitude un peu, hein. Respire, Locke, t'en es toujours là. Mais vas-y, je commence à devenir parano. Pense bien, t'écoutes, mais... Vous êtes des ravagés. Bande d'intoxiqués du jeu vidéo, là. Est-ce que je les vois, les petits points d'exclamation bleus sur la carte, je pense, hein? Peut-être pas, peut-être pas. Je vais faire le tour pour voir s'il y en a d'autres. Comme ça, bah, on essaye de faire d'une pierre deux coups, là. J'ai voulu dire que oui, je l'ai pas fait, parce que j'ai grandi, j'ai mûri. Et de faire, du coup, plusieurs quêtes en même temps. Je fais les corvettes, tout le monde est en tête pas. Oui, c'est ça. Bah, je voulais même dire le jeu de mots pourri d'une paire de couilles. Bof, ouais. Mais je me suis dit, eh, franchement, je suis pas Franck Dubosc, c'est bon, on va un petit peu mûrir niveau humour. Je sais pas si... Comparaison de fou. La mûrie de 5 minutes, l'exploit. La ferme! C'est dur de se réprimer! Je me ris jusqu'à demain. Arrêtez! Pourquoi vous croyez pas en moi? V. Pourquoi je fais V, moi? Arrête, en T. Bon. Ah, voilà. Je me disais bien qu'il y avait une autre partie, là. Bon. La quête bleue. On va faire les coffres de Ménestad. C'est pas loin. Non, c'est pas loin. On va faire ça. Je suis bigard. La couillasse.
Salut Makuyas. Après le Makouille Makuyas. C'est presque beau, c'est presque poétique. Et ouais, j'ai plus mes squelettes. Cassez-vous. Je vous pique for votre mort de laine. Ah, je peux grimper. Coucou, c'est Phytos. Oh, y'a du monde là. Merci de pas du tout réagir et de pas du tout m'aider, toi. T'écoute. Oh, les petites pièces d'or de l'ours. Alors. Pas ça. Pas ça. Je fais nawak. Je cherche tes touches. Épingle les activités sur la carte. Oui. Épingler des activités. Ça va pas marcher. Attends, comme ça. Je fais ça. Là, je fais clic droit. Oui, épingle. Ok. Ok, c'est super. Du coup, chercher le moine Mozan. Ah, il est bien mon truc là, mon clic droit là. Là, ça là. Stylé, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Juste, j'aime le swag que ça me donne. Ça me donne des points de swag, quoi. Je pense que ça compte même dans Diablo. Pense. En moins, un troll, il va débarquer, il va dire « Ma chérie, j'aime trop ton style. » Point de swag. Salut AQ! La première fois sur Diablo. Diablo en général, non. C'est ma première fois sur Diablo 4 non plus, en fait, en réalité, puisque j'ai joué un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. J'ai dû jouer 2 heures, 3 heures, peut-être maxi, au week-end de bêta ouvert. Et voilà. J'aime trop ton style, mec. Je te buterai pas, mec. T'es mon pote maintenant. T'as des adresses? C'est ça. Et oui, y'a AQ! En parlant de cul, est-ce qu'il faut que je me heal? Non, c'est bon. Oh, mais y'a une cave. Ah, mais c'était décevant la première fois que j'en ai fait une. Je pense que je vais être déçu. J'apprécie le jeu. Ah! Oui, j'apprécie le jeu, j'ai juste peur que mon OBS crache parce que j'ai l'impression que les chargements, le OBS, je sais pas, il pète un câble. Mais oui, pour le moment, j'apprécie, ça fait. Ah, du coup, je peux pas voir. Ça fait quelques temps que je joue. Non, ça fait quoi depuis. Enfin, on a commencé à quelle heure? Mais je sais même pas. À 22h, je pense. Non, non, pas du tout à 22h. On a dû commencer plus tard. 22h30, 23h. Ouais, c'est plus ça. Donc c'est encore récent. Non, pas 23h. Si, peut-être, hein. Ça doit être ça. Je sais pas. Ah, mais le son du jeu, il est fort pour moi, mais pour vous, il est bien ou pas? Elle était pourrie, cette cave, hein. Non, enfin, c'est peut-être qu'elles sont bien plus tard, mais pour le moment, c'est... Ah, mais ça me dit qu'elles sont faites. Hein, est-ce que j'aurais intérêt à les faire plus tard? Peut-être pas du coup. Genre on les fait qu'une fois les caves. Ok. Légendaire doré. Je pense que déjà si on a du stuff bleu, c'est bien. Allons-y étape par étape. Du stuff bleu, mais avec swag. Évidemment. On passera par le teinturier, tout ça. Évidemment. Mais c'est gratuit en plus. Ça, c'est gentil, ça. Mais pas du tout, jeu. C'est quoi le but? C'est de rénover une maison. Non, ça, c'était avant-hier. En gros... M'a trop matrixé ce Diablo. C'est vrai? Tu joues quoi? Tu as joué quoi ou tu joues quoi? Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, AQ. En gros, le but... C'est difficile à dire. Non, mais c'est on va avoir une quête principale. Un petit peu semblable à une quête principale qu'on pourrait trouver dans un RPG.
Mais c'est un hack and slash, donc en gros ça va être du désengage de mobs en masse, dont la difficulté va augmenter avec le temps. La difficulté des mobs et la difficulté des endroits qu'on va faire. Et en gros, ça va se répartir en... Je pense que du coup, ce Diablo-là, c'est difficile à dire parce que je ne l'ai pas fait, je le découvre un peu là. Mais ça va se répartir en deux trucs, c'est-à-dire qu'il y a un open world à visiter. Là, on est un petit peu dedans, on va dire. Oui, c'est ça. Un open world à visiter avec des trucs, des events qu'il va y avoir dans cet open world, des quêtes à réaliser et tout ça. Et il y aura ensuite des trucs qu'on appelait... Dans Diablo 2, on appelait ça des failles. C'est-à-dire des zones à visiter... qui vont avoir des niveaux de difficulté de plus en plus élevés et qui vont avoir un côté aléatoire, c'est-à-dire que tu vas faire une faille d'un type en particulier et le but ça va être de réaliser des objectifs dans ces failles-là et aussi essentiellement de trouver des loots intéressants parce que dans Diablo ce qui va faire tout on va dire le DPS de votre perso, l'intérêt de votre perso, ça va être énormément lié au stuff et le but ça va être de stuff en perso tout en faisant ce que je vous ai dit avant. Et là je fais quoi? Mais en même temps voilà, à côté de ça il y a un open world, des quêtes secondaires principales, des events aléatoires et tout. Et il y a même du multi, donc vous pouvez évidemment coopérer pour faire un peu tout ce que je vous ai dit là. Mais aussi du PVP. Ce qui est un peu nouveau. Je suis dead, non? Ah non, je me voyais plus. Oh non, je suis full life en fait. C'est quoi ça? Je comprends pas. Faut que je tape ça? Oui, faut que je tape ça, je comprenais pas. Parce que je parlais en même temps. Diablo 2 pour Locke, c'est quel Diablo 3 pour les autres? Non, pas vraiment, c'est plus l'inverse justement. Moi j'ai pas fait hein, Diablo 2. Mais c'est quoi qui m'embête? Ah mais ça. Je suis pas concentrée hein. Oh là là, j'étais en train de réfléchir à cette phrase chelou. Attendez, il me faut des... Voilà. Ça tu m'as saoulé, et toi tu décèdes. Et moi je suis... Et du coup voilà, tu peux choisir ta classe... qui va définir ton gameplay. Au début... Fais ce que je peux. Et moi j'ai choisi nécromancien et après tu vas avoir un arbre de talent. Qui définira aussi ton gameplay, tout ça. Voilà en gros, c'est un peu du fufu là, du crur pour quelqu'un qui n'a jamais fait de hack and slash, des os, hein, ça va. Je trouve que je me suis pas sorti. Druide niveau 92. Ouh. 92, putain c'est beaucoup. 160 heures de jeu, ok. Ah j'ai dit Diablo 2 pour les failles, pardon. C'est juste un misclic vocal. J'ai misclic. Ça a l'air stylé. C'est sympa. C'est des jeux à défouloir aussi. Comme je décris. J'essaye de décrire le jeu un peu comme ça parce que moi c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que le but ça va pas être que vous passiez beaucoup de temps sur un mob sauf si c'est un boss. Le but ça va être de dézinguer du mob à tout va. Des bisous à toi Antémonia. Des bisous. Est-ce que je prends une autre capacité? Il faudrait, mais c'est que je sais pas en fait comment ça se passe. Bah je peux après, au pire je les enlève. Moi j'aimerais bien un truc de zone. Oh je sais pas, au pire je continue ça pour le moment. Oh c'est pas fou ça. Ok. Je suis où? J'ai envie de dézoom plus. J'ai l'impression d'être trop zoomé. Bon, faut que j'aille où là? Machin de Bozan là, il m'emmerde celui-là. Ah, faut que je fasse le tour par là. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas. Ils viennent de faire une match pour nous faciliter un peu la tâche en high level. C'est vraiment trop long pour Pex. Bah, j'ai cru comprendre, ouais. C'est quoi qu'à facilité? Ils ont juste un petit peu équilibré des stats en gros? Ou ils ont vraiment fait un système, changé un truc?
Tu vas dodo aussi, Lick, c'est pas des zoubis. Bonne nuit à toi. Ah, Bozan le moine. Ma garde s'est retournée contre moi et a tenté de me tuer. Tout ce que j'ai pu faire avant de perdre connaissance a été de me jeter de la falaise. Je dois retourner à Kyovashad et demander une... Le suicide, ça, ça peut éviter effectivement les mobs, mais souvent on meurt à la fin, quoi. Je me suis suicidé pour pas mourir. Et alors, conclusion ? Ok. Augmenter l'XP gagné dans les clés de donjon, l'équivalent des failles de Diablo 3. Ok. Je ne dis pas le reste pour pas spoil. Ok, ok. C'est gentil. Ah, je sais pas comment y aller là. Bah, je vais suivre le chemin, on va voir. Quoi, quoi, quoi ? Ça me fait peur. Est-ce que j'ai... Ah non, normalement j'ai un squelette de plus, moi. Voilà. Ils sont mignons, mes petits squelettes, vous avez vu ? Ils ont des petites armures et tout. C'est des escarmoucheurs. Bonne maturation, Lux. Oh putain, c'est bizarre cette phrase. Je t'aime bien. Bisous, Elise. Donc ça parcourt le chemin, a tenu la distance. Je vais devoir prendre les mesures nécessaires. Veuillez m'excuser. Oui, mes récompenses. On va s'arriver. Ah, j'ai eu des PO. Je vous attendais. Les coffres de Ménestad. De la retenue. Ah, j'ai une quête bleue. Moi, je vais faire un petit peu les petites quêtes où je vais croiser là pour le moment pour pex un peu. Un arrangement que j'ai conclu à mal tourner et j'ai dû verser une contribution. Non, je vais un peu plus fort, j'ai l'impression qu'on n'entend pas bien les voix. Son campement est près du col, au nord-est. Rapportez-moi les pierres précieuses qu'il a dérobées et je vous dédommagerai. Il sort il. Bon, je suis pas suivi en même temps. Déjà le tab. Du coup, je suis où là ? Ah voilà, c'est un petit village découvert maintenant. Ok ! Bah c'est bien, moi, ça me fait découvrir un peu la map. Enfin la map. Dans ce coin-là, quoi. Et ça, c'est quoi ? C'est l'écurie, c'est ça ? Laissez votre animal ici. Nous veillerons sur lui. Oh ! C'est trop classe. Armure de monture. Oh, oh wow. Ok. Bon, c'est pas tout de suite, faut terminer la campagne, machin. Plus tard, plus tard. Le TP. Ah, il y a un TP. Ah non, je l'ai pas vu. Ok, AQ, pas de soucis. C'est sympa d'être passé des zoubis. Si, pendant que je pèse, si tu as des questions, n'hésite pas, ça c'est gentil, merci. Ouais, ouais, j'en aurais peut-être. Bon, là, j'essaye de me rappeler un peu, surtout. Mais le TP, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a au centre ? Ouais. Regarde. Ménestad. Mais c'est tout petit, Ménestad, non ? Ah, le relais vous permet de voyager rapidement et librement dans... Sanctuaire. Dans Sanctuaire ? Ok. Activez les relais pendant votre périple pour étendre vos options de voyage. Vous pouvez gagner de la renommée en accomplissant diverses activités sur tout le continent. Ouais, ça fait quoi la renommée ? Gagner de la renommée vous octroie des récompenses à certains paliers. Consultez le statut de renommée. Et puis les cartes sur table, qu'est-ce que c'est ? Renom. Plus 130 sur 2490, ok. Mais ça me dit pas les récompenses que ça peut me donner.
Collection. Ah, j'ai pas eu grand chose encore. Hein. Progression de haut fait, 2%. Social. J'ai des gens qui jouent. Un peu. Clan. J'ai pas rejoint de clan. Boutique. Pour dépenser des sous. Parti. Pour revenir. Ok. Moi, je vais faire des quêtes, moi. Pour le moment, on va faire ça. Pour ta boutique, clignote. Ouais, j'ai vu qu'elle clignotait, mais c'est pas grave, si. Ah, c'est peut-être que j'ai un truc à récolter. Une voyageuse s'en revient. Ouais, c'est juste pour dire que la boutique, elle va changer. Ouais, ils sont sympas quand même, les cosmétiques, ça va. Ils ont quand même du swag. Ok. Il y a moyen de faire en sorte qu'elle clignote plus, c'est ça? Chasseur de crypt. Moi, elle clignote pas. Bah écoute, je ne sais pas, moi, elle me dit attention. Laissez-moi vous en montrer davantage. Mais ma carte aussi, elle me dit ça. Une voyageuse s'en revient. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci beaucoup, Betenzo. J'ai dit Betenzo. Je pense que c'est Batenzo. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Et merci pour le follow, Miart YouTube. Merci, vous êtes sur du Diablo aussi. Attends, je connais pas la chaîne. Je regarde. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Ah non, pas du tout. Ou alors peut-être que si. Je vois pas la dernière rediff. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci beaucoup pour vos follows, c'est très gentil. Merci. Et salut Slayzouille. Salut Anatomix Sky. Spectral, salut à toi aussi. Désolé, j'essaye vraiment de les prononcer comme il faut. On a fait du Gartin Phone ce soir. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Hop là. N'hésitez pas à passer, Gartic Fun. Moi, mes mates, ils veulent plus jouer avec moi. Moi, j'aime trop. Ils veulent plus. Du coup, je fais du Gartic Show. Ah oui, mais c'est pas la première fois que t'en fais. Merci beaucoup pour le follow. Slayzouille, bienvenue. Bah, c'est très gentil. J'ai follow, j'irai voir. C'est adorable. Je les ai fait glisser par là. Ah, mais c'est très mignon. Mais on n'est pas sur une même ambiance. Je suis sur une découverte de Diablo. Oh, piquette du coma, salut à toi. Les pseudos sont banger là. Bienvenue, merci beaucoup. C'est très mignon. Bah, j'irai voir. Et c'est vraiment très très gentil d'avoir pensé à moi. Sinon, si je vois que c'était du wow que tu faisais aussi. Ou alors j'ai mal vu. Si j'ai mal vu, je suis désolé. Ça s'entend quand j'ai le tab, alors... Oui, c'est ça. Ah, tu fais du hardcore? Ok. Seulement en off. Ouais, je comprends qu'on fasse du Diablo en off. Bon, moi, ça me permet au moins d'avoir des tips. Âme rebelle. Il fait si sombre, si froid. Reste avec moi. Grand-père devait me ramener à la maison. Oh! Le papy du fantôme est mort, et du coup je vais le ramener à la maison. Ah mais si le papy du fantôme est mort, du coup il est fantôme aussi, du coup il peut le ramener. C'est perturbant. Le son des bruitages est peut-être un peu fort, falloir que je le baisse. Sinon pas mal de rétro. Je refais les jeux de mon enfance, ouais bah je comprends, rétro c'est souvent ce qu'on fait. Parce qu'en vrai hein, le rétro, c'est bien mignon. Mais découvrir un jeu rétro où t'as pas la nostalgie, c'est chaud. Moi, je trouve. J'ai eu des fois des conseils de gens qui me disaient « Oh, tu vas trop jouer à celui-là. » Et je fais « Oh, mais désolé, mais... sans la nostalgie, c'est dur, ce jeu, non ?» Vous avez le filtre, vous. C'est facile. Vous avez du flou dans les yeux. C'est fini ou c'est pas fini? Ah non, c'est 32 secondes encore. Oh, mais le problème...
Le problème, c'est que je voulais régler mon son. Pas grave, ah merci. Les ronds rouges sur la carte, c'est des mini-événements. D'accord, je crois que c'était une de mes quêtes que j'avais prises qui me demandait de faire ça. Mais là du coup je suis en open world, donc il y a des gens qui peuvent débarquer et m'aider s'ils sont sympas. Je pense que personne fera ça, mais oh, les bruitages sont trop forts. Je vais voir si je peux les baisser. C'est pas le moment de trop. Oh, ça va. Mais je suis nécromancien, je peux AFK en fait. C'est bien. Et tu joues quoi, Banten, sur... Banten, pardon. Sur Diablo. Il est où le fantôme? 0-0. Il s'est fait tuer, le fantôme? J'ai du mal à me dire qu'il risque quelque chose, ce petit fantôme, quand même, pour le moment. J'ai l'impression qu'il est le plus safe de nous tous, hein. Je tue. Là, je te fais une collection de louveteaux domestiques, là. Vu qu'ils vont décéder, tu vas pouvoir les avoir en copain. Vu que t'es un fantôme. J'ai plus beaucoup d'énergie, moi. Ah non, c'est espace. Voilà. Ah, j'ai passé de... Ah voilà, je me disais aussi, ils sont pas beaucoup autour de moi. Ah mais non, mais c'est qu'ils s'en vont. C'est pas que j'ai plus de squelettes. C'est qu'en fait, ils vont loin. Mais pourquoi il écrit 0 minutes 0 secondes depuis tout à l'heure? Je comprends pas. Oh, c'est un bug d'affichage en fait, faut que je me fie à la barre. J'imagine. Ah là c'est bon. Non? Il est mort, le fantôme? Il a pas l'air en forme. Ok, événement terminé, âme rebelle. Ouais, on est rebelle, mais on sait pas se débrouiller tout seul, quoi, hein. Petite rébellion de BCBG, ça, un peu, hein. Ouais, moi, je me casse, mais je prends ta Lamborghini, papa. Ah, c'est Batten, pardon. Joue druide. Ouais, druide, ça a l'air rigolo. Le côté pet et tout. Et j'adore. Je l'ai vu pas mal jouer. De toute façon, j'ai vu Rogue nécromancien et druide essentiellement dans les lives que j'ai vus. Et sur les persos autour, les personnes autour de moi, il y en a toujours quelques-uns qui vont prendre barbare ou sorcier, mais c'est quand même plus rare. Et ouais, druide a l'air cool niveau pet. Mais nécromancien, bah c'est assez fun, mais je pense que ça peut s'équivaloir, hein. Je sais pas. Mais mort, le fantôme. Mais j'y peux rien, il faut que je défende un fantôme. Je veux bien, mais disons que contre quoi? Parce que basiquement, après on est dans Diablo, donc c'est vrai que les trucs pires que la mort peuvent exister, ça je veux bien entendre. Mais là, c'était des loulous, hein. Je pense que vraiment il y avait pas de quoi trop flipax. De l'or bien dépensé. Je m'en vais. Retournez voir machin. Je peux me TP alors. Après on peut peut-être voir un petit peu ce qu'il y a là-haut. Oh, j'ai envie de voir, moi. Ah! Tu verras les quêtes principales. Q. Oh oui, merci. Alors bien, t'es passé. Bah là, je fais des quêtes secondaires, mais bon, j'aurais peut-être faire un peu plus la quête principale en vrai. Niveau 8. 8. Je me TP. Merci pour le tip, c'est Phytos.
Ah, les prioritaires, c'est blanc. Ah, j'ai vu une quête en blanc. Faut que je regarde ça. Alors, c'est fait ? Très bien. Je savais que vous seriez digne de ma confiance. Ouais, j'adore rendre service gratuitement par des gens qui me parlent mal. La nouvelle. Pour des gens qui me parlent mal. Nous ne partirons plus des exactions des escrocs. Notre force, notre puissance et notre destin prévaudront. Ah. Quête blanche, ok. Yo. Déblocage du relais. Il est où? Ah oui, oui, je l'ai pas fait. Ah zut, j'aurais peut-être dû faire ça en prio. Oui, c'est vrai que j'ai pas de TP alors que je viens de cette... Bon, bah on y va. Ah, j'ai voulu vite... Je sais pas, on m'a donné des quêtes, je les ai faites. J'ai pas cherché à comprendre. Bon, bah on y va. Hein. Avertissement. Le portail de retour en ville se ferme dès que vous quittez la ville. D'accord. J'ai pas peur. Hein. Faut que je suive le chemin. Oui, ça a l'air d'aller. Est-ce que j'ai... Mais attendez, j'ai eu du loot là. Je suis en train... Ah mais j'ai des trucs, j'ai plein de choses à faire. Oh, j'ai des caches. Ok. Bon, ça, ce sera plus tard. L'esprit du Magus. Bon, bah, on va prendre l'esprit du Magus, peut-être. Et ça, on... Ah bah non, on va pas prendre l'esprit du Magus. Déverrouille une nouvelle apparence au recyclage. D'accord. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Bon, pour le moment, je suis pas très avancée. Donc, on verra. Hein. On verra. On va avoir des défenseurs. Porteur de bouclier résistant bénéficiant de 15% de points de vie supplémentaires. Ah! Amélioration. Mais comment j'améliore? Ah, une amélioration, d'accord. Je vais tester défenseur, tiens. On va voir. Le montant de dégâts d'épines des guerriers défenseurs. Le montant de dégâts d'épines. On va tester. Et compétences, j'ai de nouvelles compétences. Mais j'ose pas mettre des trucs. Sur la route là, j'ai un tel de... Ah, ça, c'est un tel de Lilith, ça. Oui, tu as raison, je vais y aller. C'est vrai que je les reconnais pas encore. Ah, la brume de sang, ça peut être bien. Ça va exploser des cadavres. Ok, mais ça peut m'être utile à invoquer. Laisse beauté, qu'on vous tous dans ta gueule. Oh, Dieu. Ah, Louis. Là, de ces punchlines, j'adore. Des zoubis. Des gros bisous. Très très bonne soirée. Merci d'être passé, c'est cool. Merci beaucoup de nous avoir fait part de ta présence. Pour ce macadam, on perd 2 points de... Ouais. Ça peut être pratique, cela dit. Hein. Vous exhumez une prison d'os. Augmente les dégâts et les points de vie de vos guerriers squelettes. Oui, bah ça c'est pas perdu, j'ai envie de dire. Ah sinon je teste la brume de sang parce que je suis curieuse. Par contre je les mettrais bien ailleurs, je peux changer? Ouais, en A. Ou en E. En E. En A, en E. En E pour le moment. Je vais voir pour tester, là je suis un petit peu... un petit peu dubitative. Non, je sais pas ce que je fais. Mais j'apprends, j'apprends. Oh mince, fallait que j'invoque. Je peux en avoir combien? Je peux en avoir que 4, bah oui. Ok, maintenant j'ai des guerriers qui vont plus me défendre qu'être offensifs. Ça me va.
Je pourrais FK finalement aussi. Voilà. Je fais n'importe quoi. C'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Oh, il y a un truc à gauche. C'est quoi ça? Ah, mais c'est ça, c'est ma quête. C'est quête blanche. Mais attendez, il y a des mobs jusqu'à très proche du... de la ville, là. Ah non, ça, c'est autre chose. Ah non, non, c'est autre chose, c'est autre chose. Je suis pas du tout dans la ville. Je croyais que j'y arrivais avec les portes, là, mais pas du tout. C'est encore un event. On va les faire, hein. Pour le moment, je connais pas, alors je le fais. Je sais pas si c'est worth au début de se faire chier à les faire, je sais pas. Oh, un rat des piques. Du coup, les bruitages sont encore très forts. Je vais augmenter un peu la musique et baisser un petit peu les bruitages encore. Moi, je trouve qu'ils prennent trop de place. Ils prennent un peu la tête. Mais du coup, il n'y a pas de musique, là. Pendant que je combats de manière très épique des porcs épiques. Ah, mais en plus je perds de la vie, mais c'est terrible! Ah mais l'event il est peut-être pas trop de mon niveau en fait. Ah oui je peux faire ça. C'est bon, c'est fini? Oh là là, c'était pas simple hein! Mais c'était rigolo! J'arrive pas à loot! C'est où ma quête? Pas du tout. Ah oui, je suis vraiment pas du tout au bon endroit. Mais il y avait une. J'avais un truc sur la carte, ça voulait dire qu'il fallait que je fasse. Je suis niveau 9. Encore des trucs à mettre. Moi j'augmenterais bien les dégâts de mes squelettes pour le moment. On augmente les dégâts, les points de vie de vos guerriers squelettes. Ouais, je prends ça, je prends ça. C'est un truc que je veux jouer moi. Pour le moment je veux jouer squelette, moi je m'en fous. On verra après s'il faut s'opti. Par contre j'aimerais bien pouvoir dézoomer un peu plus, j'ai l'impression qu'on est trop proche. Et en vide on est très proche. Il me faut plus de temps. Une faux jaune. Ouais, j'ai vu ça. Je vais regarder ça tout de suite. J'imagine que, vu mon gameplay, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut. Jeu de mots. Ah, j'avais juste appuyé dessus et je l'ai même pas fait. C'est pathétique. Ok. Et le reste c'est du... c'est ce recycle là, j'en ai d'accord. Je ne peux rien porter de plus. C'est bon si tout réparait. Je ne peux pas faire ça ici. Ah ouais? Il y a un autre TP vers la gauche? Ah ça c'est un autre TP ça? Non c'est vers la gauche donc ce serait là-bas. Mais j'y suis pas allée là-bas. Ou peut-être que si. J'y suis allée là-bas? Oh. Merde. Alors j'y retourne. C'est qui, Tétique?
Si, si, je suis peut-être allée en fait, je sais pas. Bon, je vais essayer de le prendre et je me re-TP après. Mais ah ouais, la destination n'a pas encore été découverte. L'âge. Hôtel de lit revendiqué. Revendiqué ? Ouais non, cette zone, je la connais pas encore, je crois, tout à fait. Ouais, je vais cliquer droit, t'as raison. T'as raison, c'est Vitos. On va aller d'abord ici. Je ne ferai pas ça en ville. Ah oui, c'était normal, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Et après, j'imagine qu'il faut que je me focalise un petit peu sur la quête principale, donc je vais faire ça. Je ne suis pas encore prête. Mais bon, les petites quêtes bleues que je croise, je pense que c'est bien de les faire un peu pour le moment. On n'a pas beaucoup. Attends, c'est quoi ? Éclaire tous les pèlerins fatigués de cette... Tournez-vous vers son éclat. Nous accorde nouveau souffle. Je sais pas si c'est une énigme ou pas. Peut-être pas. Quête blanche, j'avais que celle-là. Pour le moment. Ouais, j'avais que celle-là. Mais voilà, je me demandais ce que c'était une quête blanche. Je me suis dit un événement, un truc, mais non, pas du tout. Et ça va servir à quoi les plantes ? Pour le moment, je sais pas. Ah, il y a un truc là-bas. On va y aller vite fait. C'est bien, hein, je me fais chier à mettre un point. Tout ça pour absolument pas le suivre. Il y a un truc qui est tombé, non ? Un tunnel. Bon appétit. C'est gentil. Merci beaucoup, beaucoup pour le raid. N'hésitez pas à passer voir Baten. En plus, il fait aussi du WoW hardcore. Il a... Bah ça, il a besoin d'encouragement, je trouve. Et il a fait du kartik. Et je lag ici. Comment ça se fait que moi, je lag? Qu'est-ce que c'est ça? Peut-être faire la mage Nvidia, ça m'aidera à plus laguer dans certaines zones. Je croyais que j'avais mis à jour, mais il y en a une récente. J'aime beaucoup ce Zelbor en tout cas. Wow. Stop breaking down. Ok. Une récompense bien méritée. Ah oui! Merci! Non, c'est bien, ça va. C'est sûrement pas fou, mais c'est mignon. Et un coffre! Oh, c'est punaise, elle est bien cette cave, je suis contente. J'ai eu. Oh, je prends. En fait, je prends ça. Ouais. Non. Ouais. Ah mince, du coup, vu que j'ai mis une transmo. Voilà, je veux pas la mettre, je veux voir un peu les looks. Sublime. Ok. Y'a rien d'autre ? Une four. Y'a rien d'autre. Pourquoi on entend une perceuse d'un coup ? Il me faut plus de temps. Vous entendez ? Ok, j'aime bien du coup, on veut ton avis. Ouais, j'aime bien. Bon, en vrai, j'entoudais pas trop parce que, bah... Vu que je veux mes Diablo 3... Ouh. Oh non, ça va faire bugger EBS.
Ah, ça a tout fait en fait. Allô, je suis toujours en live. Punaise, moi par contre, le jeu il galère un peu, hein. La perceuse démoniaque. Bah, ça a du mal. Là, c'était pas OBS, là, c'était. Ça a tout freeze au chargement. Il y a peut-être des paramètres que je vais pouvoir faire pour un petit peu améliorer, mais je pensais pas galérer sur Diablo, j'avoue. En bêta, ça m'étonnait pas. J'ai eu un peu peur, Non mais tant que ça coupe OBS, ça va. Mais j'ai eu un petit peu peur, ouais. À part le F5, ouais c'est... Oh punaise, quel enfer. Mais j'ai eu peur, ouais. Là c'est normal quand ça lag comme ça, c'est que j'ai le tab. De toute façon vous entendez plus de son, donc c'est pour ça. Mais j'ai un peu des lags aussi, il y a des chargements. Et j'avais ça à la bêta aussi. Faudra que je vois s'il y a des trucs que je peux optimiser, je pense. En tout cas, oui, au niveau de mon avis, et ben pour le moment, c'est vraiment ce que j'espérais. C'est un peu ce que j'avais vu sur la bêta. Le jeu est beau, il est prenant. Le gameplay du nécromancien me plaît toujours, donc ça fait plaisir. Parce que quand tu commences un perso, parfois t'es pas sûr. Là, c'est parce que je l'avais testé que je voulais faire ça. Parce qu'au début, j'avais testé Rogue, et pour le coup, au tout début, ça me plaisait pas de fou. Mais je pense qu'après avoir appréhendé le jeu, et ben je pourrais tester d'autres builds, enfin d'autres types de persos, et ça me plaira. C'est juste que. C'est juste que là, je sais pas, nécromancien, en tout cas, il y a le feeling. Et puis, bah, je suis bien curieuse de voir un petit peu l'histoire, la quête principale et tout, alors que dans Diablo 3, par exemple, je m'en foutais. Là, ça m'intéresse, donc c'est cool. Et après, gameplay et tout ça, bah, ils sont très forts là-dedans. J'ai l'impression, Blizzard, pour le moment, ça va, ils ont réussi à faire un truc qui plaît bien. J'espère ne pas trop me perdre dans l'arbre de talent. Donc ouais, vraiment cool. Bonsoir, Jerry McCreskey, comment ça va? J'utilise pas mon E, j'ai eu un E et j'utilise pas quand il y a du monde alors que je devrais. Événement terminé. Bon, je fais tous les events que je croise. Pour le moment, ça se passe bien. Sur PC, il y a des choses assez importantes à faire dans les paramètres. Faudrait que je regarde ça. Parce que effectivement, ça se voit que ça galère un peu. Je vais regarder vite fait au niveau des options graphiques s'il y a des merdes que je peux enlever. Enfin, des merdes, je sais pas, des trucs qui foutent un peu la grouille. Faible latence, peut-être que je devrais l'enlever. Putain, je sais pas du tout. Enlever la distorsion, j'ai pas l'impression que ce soit très important. Reflet dans l'espace d'affichage. C'est quoi l'espace d'affichage? Complexité géométrique. Il y a des trucs, moi à chaque fois c'est Voilà, je vais mettre ça en moyen. Bon, j'enregistre pour le moment, je vais faire petit à petit. Ouais, là c'est au moment des chargements. On croit peut-être que ça ira mieux. Mais ça me fait peur à chaque fois. J'ai peur que mon OBS et tout implose. J'étais sur WoW. Je débute alors je suis perdue. Attends, tu commences WoW là maintenant en ce moment? WoW classique ou WoW Retail. C'est vous ça?
Reflet spatial? Ah, peut-être, oui. Non, mais je viens de le faire, le vent, c'est bon, je vais pas passer mon temps à le faire. C'est bon, ça va, quoi. Ah, oh, y'a un joueur. Oh, venez, je le fais avec le joueur. Oh, je vais aider le joueur, attendez, je vais aider le joueur. Oui, les deux. Tu commences pas solo, j'espère. J'espère que tu commences avec quelqu'un qui connaît un peu. Ou au moins avec quelqu'un tout court. Je commence en 2023. Ouais, c'est fou, n'empêche. Tu commences où en 2023? Non, mais c'est incroyable. Remarque, écoutez, j'ai bien commencé Genshin en 2023, mais le jeu est sorti, je crois, en 2021. Alors ça va, je suis pas tant de retard. J'en ai, mais pas tant que ça. Complètement solo. Ah ouais, ça doit pas être simple, complètement solo. Ma toute première expérience du jeu, c'était un peu ça. J'y jouais parce que mon frère y jouait, j'étais petit. Et du coup, il m'avait dit qu'il m'aiderait un peu et tout. Mais en réalité, je jouais essentiellement seul et je... C'était pas une époque où les jeux vraiment... les MMO étaient si répandus et tout. En tout cas, moi, je connaissais pas. Oh. Ouais, va falloir que je fasse un truc. En tout cas, moi, je connaissais pas. Et je connaissais pas le principe des MMO, c'était tellement dur, j'ai pas plus apprécié que ça. Et du coup, j'ai dû... Du coup, j'ai abandonné. Attendez, je vais voir, je vais lancer Discord, je vais demander conseil à d'autres personnes qui jouent sur PC comme moi pour rendre le jeu beaucoup plus... rendre le jeu plus fluide, sachant que moi je stream, eux ils... Oh là là, je... Oh là là, ça fait tout laguer, hein. Voilà, c'est bon.